Le monde entier se prépare à fêter ses 50 ans, dont 45 de carrière. Voici l'idole des tout petits et des moins grands. J'accueille Michael Jackson. Assieds-toi, Michael. Non, mon petit Michael, t'as fait bon voyage? Génial, il est formidable ton caisson d'oxygène. En plus, on ne voit pas le temps passer. Serge, j'adore. Tu faisais quoi quand je t'ai téléporté dans cette émission? Je jouais avec Poppy et Bubble Tree. Poppy, dis bonjour, monsieur. Tu vois, il te dit bonjour. Et Bubble Tree, c'est qui? C'est mon chimpanzé, mais il n'a pas voulu venir. C'est Lise qui le garde. Lise? Ça lui fait quel âge maintenant? 76. C'est ça, 76. Et toi, mon petit Michael, quel effet ça te fait d'avoir 50 ans? Oh, tu sais, j'ai 50 ans dans mon corps, mais dans ma tête, j'en ai toujours 10. T'as une tournée en vue? Oh, une toute petite, de 2 ans. Sponsorisée par qui? Pampers, comme d'habitude. 94, c'était plutôt du rail pour toi. Ça s'est terminé comment, l'histoire du procès, là? Écoute, il a 25 ans, il est marié, il a un petit enfant, le petit Matthew. Il est adorable et je suis son parrain. Ah oui, c'est-à-dire que t'es le parrain d'un mec, enfin de l'enfant d'un mec qui t'a fait un procès pour pédophilie, c'est ça? Et alors? Le procès, c'est du business. Ça n'a jamais empêché les sentiments? Ouais. Oh non, écoutez, ça suffit, le grand constat. Qu'est-ce qu'il y a, Frigide? Enfin, il n'arrête pas d'essayer de me toucher. Mais c'est l'homme invisible, on n'arrive pas à s'en débarrasser. Bah, invisible, invisible, je peux te dire que je l'ai sans ses mains, voilà. Oh, faites quelque chose, s'il vous plaît. Bon, on essaye, mais j'ai une idée. Je pense que je vais arriver à m'en débarrasser. J'espère. Ouais. C'est incroyable, hein. T'as pas changé, hein. T'es encore plus blanc, mais... Ouais, sale traître. Fuck you, man. Michael. Non, mais c'est quand même insensé, j'étais noire avant lui. C'est vrai. Comment tu fais pour pas vieillir? Oh, c'est très simple, je t'explique. 2 opérations par an. En 94, t'avais déjà eu 10 opérations, dont 7 du nez. Ouais. Ouais, mon nez m'a toujours ennuyé. Il y a même un moment, j'ai voulu me le faire enlever, mais mes hommes d'affaires me l'ont déconseillé. Pas un peu dangereux tout ça? Oh, penses-tu? Non, ce qui est plus délicat, c'est l'élongation des os. Tu t'es fait rallonger les os? Eh, yeah, tu veux que je t'explique? Ouais. Simple. Ils m'ont sectionné le tibia, et ils m'ont intégré une armature en titane iridié pour gagner ces fameux 8 cm. Après, l'extension des muscles, des nerfs, ce tâche d'enfant. T'as d'autres opérations en vue comme oui, ça? Oui, une de l'iris, là. L'an prochain, pour avoir enfin les yeux violets, ce sera mon cadeau de Noël. Et côté cœur? Non, non, aucune opération de prévue, non, non, il tient bon. Non, mais je veux dire, t'es toujours célibataire? Oh, yes, pas du tout. Non, je vis avec Bubble Tree and Cupid. Et ça se passe bien? Ouais, yeah, aucun problème, c'est juste les autres. Les autres, c'est-à-dire? Ouais, tu sais, notre bonheur les rend jaloux. Tu sais que... Tu ne sais pas ce qu'ils ont été encore inventés. Ils ont raconté dans la presse qu'ils m'avaient vu jouer, accroche-toi, au papa et à la maman, avec Bubble Tree, à Sensé. Tu leur as fait un procès? Ah, pfff. C'est-à-dire qu'ils ont des photos. Ouais. Quelle est ta star préférée, Michael? Quand j'étais petit, c'était Claude François. Claude François, un Français? Ouais. Tu aimerais le voir, là, maintenant? J'adore, ouais. Que je le fasse entrer par la grande porte du temps. S'il te plaît. Clo-Clo! Clo-Clo! Tu sais, vraiment. Tu l'as rencontré déjà? Je l'ai rencontré il y a 30 ans. Ouais. Il y a 30 ans, personne ne me croyait parce que moi, j'avais dit que Michael deviendrait une star internationale, une star. Tu vas lui chanter quelque chose parce qu'il a l'air de vraiment beaucoup t'aimer. Ah oui, pour lui, oui, sans problème. Oh, quel chanteur! Sur le fil et part sur le nid. Je suis dans ta vie, je suis dans tes bras. Alexandre, Alexandrie, Alexandrie où l'amour danse avec la nuit.
mais j'ai plus d'appétit. Cabaracuda, je parais tout le Nil si tu ne me retiens pas. Je parais tout le Nil si tu ne me retiens pas. Alexandrie, Alexandra, Alexandrie où l'amour danse au fond du vin. Ce soir j'ai de la fièvre et toi tu ne le revois. Les sirènes du port d'Alexandrie, oui, chantent encore la même mélodie. Oh, pour la lumière du port d'Alexandrie, mais fais naufrager tous les papillons de ma jeunesse. Sur le fil, ils partent sur le Nil. Ouh, Alexandrie, Alexandra, George Dutch, 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 Alexandrie, Alexandra. Ouais. 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 Bonsoir, mesdames, messieurs. Merci les gonzesses. Merci, merci. Merci, merci. Mon pépé. Quoi, ton pépé? Oui, mais mon pépé. Ben je l'ai dématérialisé, pourquoi? Non, ça c'est là, tu as tué mon pépé! T'as tué mon pépé! Vas-y, mon pépé! Mon pépé! Il ne peut pas bouger, il va mon pépé! Dématérialisé, il n'y a pas de... Dématérialisé, immédiatement! Oui, pas avec lui, moi! Alors, merci! Eh bien, Michael Jackson apporte un message d'espoir aux victimes du racisme et de la pauvreté. Si vous êtes en butte au racisme, faites comme Michael, devenez blanc. Ouais. Si vous souffrez de la pauvreté, faites comme lui, devenez milliardaire. Oui. Le jour où tout le monde sur Terre sera très riche et très blanc, c'en sera fini du racisme et de la pauvreté, et nous serons tous frères, et ce sera merveilleux. Ouais. Vas-y. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditude, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.